Bonjour, je m'appelle Nancy Junot et j'ai le plaisir d'animer cette première activité littéraire de cette première édition en ligne du Salon du livre de la péninsule acadienne. Je sais, comme moi, vous préféreriez sûrement qu'on soit réunis ensemble dans l'amphithéâtre de l'UMCS ou au Centre Réal-Cormier, mais à défaut, les activités de ce Salon du livre vous parviennent chez vous, dans le confort de votre salon, où les livres et les auteurs demeurent à l'honneur. Non, mais qui aurait pu imaginer un tel scénario l'an passé? Puis, ça m'amène justement au thème de ce premier Salon du livre virtuel et de cet échange qui va suivre. Le thème: nous habitons des mondes imaginés. Ce thème, c'est le titre de l'un des chapitres du livre « La nuit, j'écrirai des soleils » de l'auteur Boris Cyrulnik. Neuropsychiatre de formation et de profession, cet auteur s'est beaucoup intéressé au phénomène de la résilience humaine. Dans « La nuit, j'écrirai des soleils », il se penche justement sur les destins d'écrivains que la vie a beaucoup éprouvés. Il explore comment les écrivains se sont emparés des mots pour retrouver le goût du monde. Il s'est penché sur le rôle de l'écriture comme moyen d'échapper au poids du réel. Nous habitons des mondes imaginés. N'est-ce pas là un thème particulièrement en phase avec ce temps de COVID-19 où le manque invite à la créativité? Et qui de mieux pour approfondir ce thème que des écrivains, ceux-là même qui ont l'habitude de faire l'aller-retour entre le monde qu'ils habitent et le monde que leurs plumes imaginent et dont les œuvres, à leur tour, façonnent le monde que nous habitons? Heureusement, on n'a pas besoin de quitter la péninsule acadienne pour trouver trois écrivains de renom, de qualité, qui, chacun à leur façon, font régulièrement cet aller-retour. Une dramaturge, un philosophe et un poète. Laissez-moi vous les présenter. Originaire de la Mecque et résidente de Petite-Rivière-de-Lille, Emma Haché est dramaturge, poète et metteur en scène. Elle a écrit de nombreuses pièces de théâtre, dont la plupart ont été portées sur les planches. Je vous en nomme quelques-unes que vous reconnaîtrez sûrement. L'intimité, qui a gagné le prix du gouverneur général en théâtre en 2004. Murmure, Les défricheurs d'eau, Tempête, Trafiqué, Le lazaret de Tracadie, Wolf, qu'elle a aussi mis en scène, et L'exercice de l'oubli, présenté l'an dernier, conjointement par le Théâtre populaire d'Acadie et le Théâtre français de Toronto. Dramaturge dans la cité, ses pièces de théâtre et sa poésie sont empreintes d'un désir de raconter avec force l'histoire de celles et ceux qui n'ont pas de voix. Emma, bienvenue. Merci. Notre deuxième invité, originaire de l'Outaouais, Alain Deneau, et docteur en philosophie de l'Université de Paris 8 et résident de Petite-Rivière-de-Lille. Il est directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris et professeur à l'Université de Moncton à Chipagan. J'aime bien cette juxtaposition de Paris, Petite-Rivière-de-Lille, Chipagan. Libre penseur et écrivain coup de poing, Alain a publié de nombreux ouvrages qui traitent des paradis fiscaux et de leur impact sur les ressources publiques dont disposent, ou plutôt dont ne disposent pas, nos sociétés. Je vous cite quelques titres évocateurs qui témoignent de sa perspective critique. Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle. La médiocratie. Une escroquerie légalisée, précis sur les paradis fiscaux. Philosophe dans la cité, Alain est régulièrement sollicité par les médias écrits et audiovisuels pour partager ses perspectives
sur des enjeux fondamentaux de société, perspective qui ne laisse personne indifférent. Et notre dernier, et non le moindre invité, est Jonathan Roy. Il est né à Bathurst et habite à Caraquet depuis que je le connais, donc depuis plusieurs années. Détenteur d'une maîtrise en littérature, il partage son temps entre la profession de libraire, le travail de conseiller artistique pour le Salon du livre de la péninsule acadienne, la direction de la collection Poésie Rafale aux éditions Personnages et, depuis plus de 15 ans, la direction générale et artistique du Festival acadien de poésie, qui s'est taillé une place de choix dans l'écosystème littéraire au pays. Mais celles et ceux d'entre nous qui ont eu le plaisir de le lire ou de l'écouter savons qu'il est d'abord, avant tout et surtout, un poète. Son premier recueil de poésie, « Apprendre à tomber », lui a valu le prix littéraire Antonine Maillet à Cadivi. Pas pire pour une chute. Il a récemment publié son deuxième recueil, « Savèche » à Fragmentation, ainsi que de nombreux textes de poésie et de projets publiés dans des revues littéraires. Je l'appelle souvent notre poète dans la cité, tant sa poésie nous porte à ressentir, à réfléchir, puis à agir. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en bonne compagnie. J'ai peut-être l'air d'abuser du thème dans la cité, mais honnêtement, tel que je vous connais tous les trois, c'est vraiment ce qui fait votre différence, votre capacité de vous extraire du monde, réfléchir, écrire, puis ensuite d'y revenir pour agir. Et c'est ce qui nous permet à nous, citoyens, d'apprécier votre œuvre et votre présence. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole et je vais commencer avec Emma. Emma, quand on s'est réunis pour un peu préparer cet échange, tu as dit « quitter un imaginaire pour en faire émerger un nouveau ». Donc, j'aimerais que tu poursuives sur ta lancée en lien avec notre thème « Nous habitons des mondes imaginés ». Oui, quitter un imaginaire pour aller vers un nouvel imaginaire. Mais avant ça, je vais m'attarder un peu davantage à Boris Cyrulnik qui a inspiré le thème de ce salon. Et à son travail, à la façon dont son travail peut nous éclairer aussi sur ce qu'on est en train de vivre collectivement ou individuellement. Enfin, il s'est effectivement beaucoup intéressé à cette notion-là de la résilience, donc la capacité des êtres à traverser des épreuves et à donner du sens à des épreuves, et notamment au parcours d'artistes, tu l'as mentionné, qui ont vécu des traumatismes importants, que ce soit viol, guerre, abus, violence, donc de tout ordre, là. Et il s'est intéressé à la démarche de ces artistes créateurs-là pour, si tu veux, transcender cette épreuve-là et en faire quelque chose qui les structure, qui continue à les faire évoluer et qui même ne les empêche pas d'atteindre un certain épanouissement et même à se révéler, si tu veux, à travers ça aussi. Parce que je trouve que c'est intéressant de formuler ça à travers des exemples. Et c'est moi, c'est aussi un penseur que j'ai lu à une certaine époque aussi, il y a déjà un bon petit moment. Et ça m'avait fait avancer quand même sur cette notion-là de la résilience, mais sur le rôle aussi que les artistes pouvaient avoir dans la société comme des espèces d'éclaireurs pour cette capacité-là qu'on a tous, en fait, à transformer quelque chose de douloureux en sens, en quelque chose de fécond. Par exemple, prenons quelqu'un qui vit un événement traumatique, il le vit comme quelque chose de très, c'est-à-dire même vif, comme une blessure vive, quelque chose qui fait corps avec lui vraiment, donc c'est dans son corps que c'est
vécu dans sa psyché, dans son... donc, ça l'occupe. Il est occupé par ça, réellement, dans tout ce qu'il est, dans sa bulle. vu qu'on parle de bulle de ce temps-là, ben, justement, sa bulle est saturée, si tu veux, par ce traumatisme-là, cet événement traumatique-là. Et c'est là où Cyrulnik a observé que il se mettait à raconter. Et ça, ça va vous parler avec tout ce qu'on a vu aussi, tous les mouvements MeToo, puis tout ça, parce que le moment où la personne qui a vécu un événement traumatique se met à raconter cette chose-là, c'est là que ça s'enclenche, c'est là que la démarche, c'est là que ça devient intéressant. Parce que, bon, c'est peut-être pas la première fois qu'il va en parler, mais c'est quand même le début de quelque chose. C'est-à-dire que plus il va en parler, plus ils vont raconter, et là je dis raconter, j'utilise le récit, ça pourrait être le récit, mais ça peut être aussi par la danse, par la peinture, par la chanson, par la poésie, par toutes sortes de démarches de création, une sculpture, bon, ce qu'on peut imaginer du théâtre. Donc plus il s'engage dans cette affaire-là, de cette espèce de corps à corps avec son événement traumatique, là, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à force de le raconter, il va comme le faire sortir de lui, et ça va devenir un objet extérieur qu'on observe, qu'on peut mettre à distance, justement, puis qu'on peut donc maîtriser ses paramètres. Ouais, c'est ça. Donc on ne subit plus cette emprise, justement, on ne se laisse plus dominer par la chose. Et on domine la chose. Tout à coup, on contrôle la manière dont elle va. On développe de plus en plus de stratégies pour raconter cette chose-là. Puis parfois, c'est en la résumant, des fois, c'est en y mettant de l'humour, des fois, c'est... Donc, les stratégies peuvent être très, très, très variées, et c'est là où les créateurs sont justement créatifs, là. Et c'est de cette façon-là aussi qu'ils vont se révéler comme créateurs, si tu veux. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant pour toute démarche de création, mais je me questionne aujourd'hui, puisqu'on est invité à le faire dans le cadre de ce salon-là, sur comment ça peut nous être utile maintenant, alors qu'on traverse collectivement, puis souvent individuellement, toutes sortes de crises majeures, la question politique, économique, sociale, et celle qui moi m'impressionne énormément et qui me sidère le plus, c'est évidemment la crise écologique, les changements climatiques, mais l'effondrement du vivant qu'on constate en ce moment et puis qui est inouï, quoi, mais justement nous invite là tout à coup à dire voilà, on s'est rendu là, on a créé ça, là, c'est notre création, ça. Vraiment, c'est ça qui est notre constat. Et là, ben maintenant, comment arriver à changer ça si ce n'est pas par une révolution culturelle réellement? Et ça, ça vient par notamment le changement d'un autre imaginaire. On a donné de la valeur à des choses qui étaient « faut faire du cash dans la vie ». Pour réussir, il faut avoir un gros char, puis il faut porter tel vêtement, être vu auprès de telle personne. On a donné des valeurs à des choses comme ça, à avoir beaucoup de matériel. Et puis, ça, c'est un imaginaire, ça. Et il faut aller vers un autre imaginaire, donc un autre rapport au monde. Et c'est là où les artistes, je pense, moi je vois ma pratique de création, ma pratique artistique, comme vraiment de la recherche de terrain, de concrète sur cette chose-là, justement. Donc moi, c'est vraiment... Ça m'amène un peu à ton propos de départ qui était... le fait que de quitter un imaginaire pour en créer un autre. Oui.
C'est un peu ce que tu dis. Je suis vraiment beaucoup occupée par ça. Vraiment, là, je me questionne. D'autant qu'on traverse maintenant une épidémie, mais c'était déjà pendant le verglas ou dans toutes sortes de crises qu'on rencontre collectivement comme ça, puis qu'il va en avoir d'autres. Hein. Ce n'est que le début, si j'ose dire. Mais on est invité vraiment là à... moi, je pense, comme créateur, mais comme toute personne, là, capable de création aussi, mais parce que c'est mon occupation, vraiment, et c'est mon engagement aussi, à voir de comment nourrir cet autre rapport au monde-là et comment le faire émerger chez les gens aussi, comment créer, susciter ça. Donc, c'est vraiment la recherche, moi, qui m'occupe. Merci. Bien, écoute, ça nous laisse sur des questions qu'on va peut-être vouloir discuter tout à l'heure ensemble quand on aura fait le tour, mais cette question de comment on fait pour justement quitter un imaginaire, en créer un autre et faire en sorte que cet imaginaire-là se répande. Bon, je vais maintenant demander à Alain. Alain, en préparation à la table ronde, tu nous as dit « imaginer, ce n'est rien d'évident ». Ça suppose une discipline, une rigueur, une recherche, un travail. Donc, c'est ça. Fais-nous travailler, Alain. Ce que je veux dire ira dans le sens de ce qu'avançait Emma. Je suis surpris, moi, de voir comme le fait d'imaginer culturellement passe pour quelque chose d'aisé. Comme si ça se faisait tout seul. Il suffit de se targuer, d'imaginer pour qu'on imagine, on se ferme les yeux, puis on laisse un peu déambuler l'esprit, puis au fil des enchaînements d'idées, de termes, de symboles, on arriverait comme ça, sans trop d'efforts, en se laissant pousser quoi, à des mondes tout autres. Régis par des modalités hétérogènes, dans des... assemblages comme ça inédits. Bon, il suffit de se laisser pousser, alors que qu'imaginer est un travail de l'esprit, c'est un travail de la pensée qui suppose comme tout engagement, un investissement, des lectures, des questionnements, de la persévérance, d'avoir de la suite dans les idées, puis aussi une ténacité par rapport au regard social, c'est-à-dire que il faut soutenir le caractère saugrenu de ce qu'on imaginera, si on imagine vraiment, si on pousse l'imagination au-delà d'un certain nombre de paramètres. Quoi. Et donc, imaginer, c'est beaucoup l'affaire de la sociologie, de la philosophie. Si je peux me référer à Méchamp. Quant à des objets politiques. Quoi. C'est un travail, ça ne vient pas tout seul. Bon. C'est comme un aboutissement plutôt qu'un c'est processus. C'est un investissement psychique et intellectuel majeur. Bon. Et en même temps, on pourrait dire, c'est ça qui est paradoxal, que tout est imaginaire. Il suffit de considérer l'importance de la propagande politique ou du marketing publicitaire pour se dire qu'on est complètement noyé d'imaginaire. Le Canada, c'est un fantasme. Dire le Canada, qu'est-ce que c'est? C'est demander à tout le monde de vouer un culte à Terry Fox, de considérer important, je ne sais pas quel championnat de hockey, ou de croire en la valeur d'une déclaration des droits de la personne, et puis de succomber à... à la séduction de phrases toutes faites comme « The world needs more Canada ». En fait, c'est juste se plonger dans un grand imaginaire où il y a d'un côté, une ligne de fuite vers l'Asie, une énorme boîte de céréales, ensuite des usines, des francophones un peu exotiques, puis des pêcheurs assistés. Quoi. Bon, puis on va se dire, voilà, on succombe à ça, mais c'est tout ça existe dans l'imaginaire aussi. Bon, et comment on se débrouille pour que l'imaginaire soit pas simplement enfermé dans une idéologie, bon, et soit effectivement un engagement. Bon,
Il faut en passer par la pensée, pour, non seulement pour imaginer, mais pour penser l'imaginer, pour penser ce qu'est imaginer. Il y en a beaucoup de penseurs, et bon, on pourrait faire tout un cours sur ce imaginer en sciences sociales, en philosophie. Un des penseurs auxquels on pense spontanément en philosophie quand on réfléchit à l'imaginaire, c'est Cornelius Castoriadis, qui a écrit l'institution imaginaire de la société et qui a mis l'imaginaire au centre de sa réflexion. Bon, lui, c'est quelqu'un qui va essayer de distinguer ces deux imaginaires-là. Hein, il va distinguer un imaginaire fonctionnel d'un imaginaire créatif. Puis l'imaginaire fonctionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un imaginaire qui est au service d'institutions qui se présentent à l'esprit abusivement comme étant autonomes. Hein, et lui, c'est comme ça qu'il va distinguer la démocratie athénienne, qui est une vraie création hein, d'un imaginaire politique dans une cité où tous les ayants droit hein, de ce processus démocratique-là, qui est encore une minorité, participent de plein pied au processus, hein, ils sont engagés en lui, de ce qu'on appelle abusivement aujourd'hui des démocraties, qui sont des oligarchies en fait libérales, c'est pas du tout la même chose, qui ont été beaucoup travaillées entre-temps, hein, entre ces deux pôles, par des royaumes, des états royaux. Et on a gardé des traces de ça, hein, cette idée que l'État, c'est un monstre, c'est une structure en elle-même, et ça vaut maintenant pour les multinationales, ça vaut pour les grandes banques, hein, on est face à des empires, on est face à des monstres, on est face à des pieuvres, on est face à des structures qui existent par elles-mêmes et au service desquelles on place l'imaginaire. Et l'imaginaire devient, en quelque sorte, à ce moment-là, une instance opérationnelle qui, satisfait, soit des intérêts, soit des finalités, bon, et se présente comme étant fonctionnelle, et ignorante du fait que l'instance qu'on sert provient de l'imaginaire et ne relève pas d'un fait cristallisé dans l'histoire d'une manière tangible. Et puis Castoriadis dit, par opposition à cet imaginaire fonctionnel qui est celui de la publicité, du marketing, de la propagande politique, mais aussi de l'aliénation quotidienne, où on finit par croire dur comme fer qu'il y a comme une sorte d'existence tangible de formes qui sont largement créées, mm-hmm. hein, il y a un imaginaire créatif qui, lui, plutôt que de s'en tenir à des formes qui prétendent une sorte d'autonomie propre, conviennent de l'indéterminé. Bon, et ce serait ça, être imaginatif d'une manière créative, c'est convenir de l'indéterminé. C'est-à-dire être productif dans l'imaginaire. Bon, dire, par exemple, comme une banalité, que le Canada est démantelable et que peut-être son démantèlement est même souhaitable, surtout à l'aube d'une crise écologique qui rendra caduque la mondialisation financière, la production pétrolière abondante et abordable, la production minière abordable et abondante, hein, pour nous laisser un peu à nous-mêmes, là où nous sommes, sur des bouts de terre, ce grand pays qui est directement lié hein, à la révolution industrielle dans sa forme contemporaine, qui est directement lié à l'impérialisme, à la colonisation, à la spoliation, hein, sera vraisemblablement dans notre siècle caduc. Imaginer de manière créative, c'est de se dire, bientôt, les souverainetés politiques qui sont tout à faire, là, hein, sans un modèle tout fait, là, seront régionales. Il faudra se dire, là, on est entre nous, et c'est pas vrai que les babioles qui viennent de Chine ou les aliments qui ont voyagé 6000 kilomètres vont nous arriver comme ça, comme une évidence au supermarché ou dans les Doloramas. Hein, et qu'on va simplement avoir de l'argent, on ne sait plus trop comment, hein, et quand ça va mal, le gouvernement nous envoie directement un chèque là, pour comme ça s'en sortir. Non, il arrivera un moment, il faudra se regarder dans le blanc des yeux, et qui que nous soyons, hein, il faudra apprendre à faire de la politique, c'est-à-dire à délibérer entre nous sur les droits et les devoirs, sur la mise en relation entre les dispositions et les besoins, hein, les talents et les défis, et aussi les désirs et les aspirations, comment on s'organise. Et il faudra se parler, qui que nous soyons, et faire preuve d'imagination. Mais là, pas sur un mode idéologique soumis, mais sur un mode créatif et émancipatoire. C'est comme un peu s'extraire de l'imaginaire fonctionnel pour se permettre d'entrer dans l'imaginaire créatif. Puis, ça revient un peu aussi au point de départ d'Emma qui disait
quitter un imaginaire pour pouvoir en créer un autre. Donc, vous vous rejoignez un peu dans ce aspect-là. On se parle beaucoup dans la vie aussi. Oui, j'imagine que vous vous en parlez. donc là, je vais demander maintenant à Jonathan. Jonathan, toi, tu as dit « Écrire, c'est partager son regard sur le monde, qui, à son tour, est influencé par ce qu'on écrit, le monde. » Et un peu comme un aller-retour. On habite, en fait, tu t'as dit, on habite toutes les lectures qu'on a derrière nous. OK. Ouais. Peux-tu continuer sur cette lancée? Oui, en fait, j'aimerais... Tu peux même en emprunter un autre. Si je retourne, c'est que je me posais la question, comme je viens de la poésie et non, disons, du roman, au départ, je me disais, je ne construis pas de monde imaginaire dans la mesure où j'ai pas un univers, j'ai pas des personnages, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que je fais que ces poèmes-là, qui sont le miroir très subjectif de mon regard sur le monde qui est là. Mais que forcément, à force d'écriture, le regard change. Et à force d'écriture, le texte demeure un discours dans la collectivité qui est une force parmi d'autres qui agit dessus et qui, c'est que je me suis rendu compte très récemment, qui agit aussi sur moi-même, c'est-à-dire que ma propre écriture, le regard que j'ai choisi de prendre dans les dernières années qui est assez sombre. Coup de poing, mais qui, tu sais, pour en arriver au coup de poing, il faut comme ajuster les lunettes pour orienter le regard sur des choses qui sont peut-être moins agréables. Et qu'ultimement, ça finit par Patsy Windias, là. Dans le fond, ça revient de pogner par derrière, puis que finalement, mon regard global sur le monde était devenu un peu trop toujours celui du poète qui cherche les fers. Et qui est une bonne chose, en fait. Puis en fait, je pense que, tu sais, j'ai l'impression que mes collègues travaillent un peu dans ce sens-là aussi. Sauf que, à un moment donné, je pense qu'il peut y avoir un effet pervers que, à force de constamment regarder les faits, on oublie de voir aussi ce qui fonctionne, ce qui reste de lumière, puis en fait, ce qui justifie qu'on fait ce qu'on fait. Donc, cette lumière-là. Et tout ça pour en venir, finalement, à je pense que l'écrivain, tout comme n'importe qui dans la collectivité, dans la cité, regarde le monde à travers un imaginaire qui est construit. Peut-être tout simplement que que la lunette est un peu plus aiguë, que de par le texte, un peu comme le disait Emma tout à l'heure, ça permet de sortir de soi puis de se regarder un peu ou de se distancer ou de mettre la loupe sur quelque chose, sur une espèce d'angle mort qui nous suit depuis toujours. Récemment, je suis retombé dans mon premier recueil et ça m'impressionnait à quel point toutes mes obsessions actuelles sont déjà là et en effet sont souvent bien très liées à l'enfance. Donc cette lunette-là puis le cumul de toutes ces imaginaires-là qui viennent nous construire, que ce soit les livres qu'on a lus, les pièces auxquelles on a assisté, deviennent cette lunette-là à travers laquelle on regarde le monde. Donc, un imaginaire qui n'est que le nôtre et qu'on ne fait que recracher dans le monde pour changer la langue des forces en puissance, puis contribuer à ceux des autres. Donc, tu sais, je pense, c'est peut-être un début de réponse à la question d'Emma, c'est je pense pas qu'une seule personne ou un seul écrivain, artiste, philosophe peut prétendre ou souhaiter changer le monde, sinon que de souhaiter pousser dans la bonne direction pour enclencher des changements. Dans ce sens-là, je pense que nous sommes tous dans un monde imaginé, dans le sens où on est dans un monde qui a été imaginé par d'autres et on contribue à imaginer le futur sans savoir comment et dans quelle direction. Ça pourrait arrêter là pour l'instant. Bien, je vais revenir sur cette notion de pousser dans la bonne direction, tu sais, qui m'amène un peu de
l'imaginaire individuel qu'on a tous, qui a été, comme vous l'avez dit, façonné par toutes sortes de facteurs extérieurs à nous et aussi intérieurs. Mais comment on en arrive à créer un imaginaire collectif qui va dans le sens qu'on souhaiterait qu'elle aille? Puis c'est où, c'est quoi ce sens-là? T'sais, dans la bonne direction, ce serait quoi la bonne direction? Est-ce qu'il y a une bonne direction? Spontanément, ce que pour vraiment aller dans le sens de la question, là, ce que j'entends par rapport aux imaginaires, autant pour le dire largement, là, dans la fiction, là, théâtre, cinéma, roman, disons, la poésie ou les sciences sociales, la philosophie, c'est que l'imagination productive, créative, bon, émancipée, disons, n'est pas programmatique. Mais s'il y avait une bonne direction, ce serait ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, ben voilà les 8 étapes par lesquelles on va réaliser, je ne sais pas, la révolution, on arrivera au grand soir, voici, sur un mode plus psychologisant, les 3 manières de résoudre, je ne sais pas, tel. La poésie, la fiction, la pensée, disons, hein, développe des modalités qui ne sont pas applicables, mais qui entrent en interaction avec... avec la vie pratique. Et il y a une interaction, il y a de l'électricité entre l'imaginaire et la vie pratique, mais on ne peut pas rabattre un plan sur l'autre. Quand Stéphane Mallarmé s'est mis à écrire dans un français incroyable, improbable, défiant la grammaire, il n'y a personne qui allait sortir dans la rue parler en Mallarmé. Mais Mallarmé affectait la façon de parler le français tous les jours, sans qu'on parle le Mallarmé. On pourrait dire la même chose de Proust, on pourrait dire la même chose de tout auteur qui travaille la langue, mais ciselé de manière exigeante. Hein, Gaston Miron, nommons-les. Hein, et personne ne va arriver dans le quotidien au café et va se mettre à parler en alexandrin, par exemple. Mais ces formes-là affectent le français tel qu'on le parle. Sans ces formes imaginaires-là, on ne parlerait pas comme on parle, on ne penserait pas comme on parle, on n'articulerait pas la langue comme on parle. On peut dire la même chose pour la fiction. C'est-à-dire qu'au théâtre, quelqu'un arrive, c'est jamais quelqu'un de la vie sociale. Mais jamais, ne serait-ce parce qu'on va maquiller les hommes, parce que les femmes auront des... Parce qu'on va... Je veux dire, il y aura mille effets qui seront mis en cause, qui feront de ce qui se passe sur une scène ou sur un plan de cinéma de manière encore plus claire ou dans un roman, hein, quelque chose d'une saisie qui se veut significative d'une manière autrement plus aiguë et intense que ce qu'on voit même dans des moments d'intensité, hein, du réel social. Puis en philosophie, c'est la même chose. Karl Marx, quand il écrit, même si on pourrait penser qu'il est collé sur le monde industriel de l'Angleterre, là, il développe une pensée qui est nulle part. Puis ensuite, vous avez Lénine en Russie ou Jacques Roumain en Haïti qui doivent en fait prendre ça et chercher une façon de le développer là où ils sont. Mm-hmm. Parce que jamais ces pensées-là sont inscrites dans un programme. Quoi. Donc, on ne peut pas les appliquer. Et l'imaginaire, c'est ça, c'est un surplus. C'est un surplus de sens, c'est un excédent de sens qui sert à s'organiser dans une pluralité de cas. Et même, je dirais que souvent, en fait, les marginaux ou même les éprouvés, je ne sais pas, vont même prendre les structures qu'on nous donne, là, l'espèce de ligne directrice qu'on nous donne, et ils vont faire une lutte avec ça, en fait, pour constamment dévier ces affaires, c'est les faire courber, ces lignes-là, parce qu'elles ne conviennent pas ou elles ne sont pas ajustées à leur réalité, à leur désir. Et là, c'est ça, c'est une façon, si tu veux, de faire même une... des fois, moi, je trouvais ça intéressant dans mon... pour une de des pièces que j'ai écrites, que j'ai faites comme une recherche sociale, là, tu sais, vraiment, sur un phénomène de société, et qu'après ça, qu'on me dit, « Hey! » je pense que c'était une sociologue là, de métier qui me disait, « C'est tellement formidable la démarche que tu as faite. Nous autres, on est tellement encombrés avec toutes nos manières de nos protocoles, oui. Parce qu'il faut pas déroger de ça, faut avoir la signature pour telle affaire, puis bon, et qui fait que tu peux pas être à l'écoute d'une intuition,
par exemple. Et c'est là où je trouve que, moi, en tout cas, je prends de plus en plus conscience de cette capacité-là, mais aussi du rôle et de la responsabilité que ça engage aussi, de dire j'ai cette possibilité-là de pas me laisser restreindre par je veux pas dire que tout protocole est mauvais, c'est juste qu'on peut en être critique puis de dire écoute, ça a quand même des limites aussi ça, et que parfois par une fiction, parce puisqu'on est dans un imaginaire, on peut aller des fois plus près de la réalité. En fait, ouais. Jonathan, tu veux? Oui, ben, je vais faire du pouce un peu sur ce que disait Alain. C'est pas tous les cas, c'est pas tous les imagineurs qui je crois, ont un effet sur le monde. Mais des fois, il y a des espèces de moments de grâce, ou comme les exemples cités, mais même plus près de nous, si on pense à le meilleur exemple, c'est peut-être celui de Gérard Leblanc qui a. Et à sa suite de tous les autres artistes, disons, toutes disciplines confondues, qui ont fini par ériger Moncton comme centre du monde, comme ville plus grande que nature, qui l'ont fait merveilleusement bien par ailleurs, mais parce que en lisant les poèmes de Gérard Leblanc ou en écoutant 0°C, ou peu importe, tu as l'impression que Moncton est une métropole, puis ça a été étudié par différents chercheurs en littérature, c'est presque devenu un courant en soi que cette thématique-là. Mais en même temps, il y a quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'à force d'y croire et à force de le dire, ça a fini par créer un pouvoir d'attraction pour cette ville-là. Après ça, ça pogne un air d'aller, puis ça continue. Ce qu'il y a de très inspirant là-dedans, c'est qu'après ça, moi qui ai quand même habité à Moncton pour un bout, on peut prendre ça, puis se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut en faire si on revient ailleurs, si on vient dans la péninsule acadienne, puis que est-ce que c'est applicable en milieu, est-ce qu'on peut faire de la péninsule acadienne le centre du monde? Extrapolons, puis essayons à la rigueur, mais tout est parti de cette idée-là et de cette conviction-là, jusqu'à ce que ça soit tellement fort que ça soigne dans la réalité. Fait que c'est un exemple très concret et très près de nous de à quel point finalement c'est pas vain d'imaginer. Qu'il y a cet aller-retour entre ce qui est imaginé puis ce qui se passe. Il y a comme cette espèce de relation féconde entre l'imaginaire puis le réel, puis un vient nourrir l'autre. C'est une dynamique vraiment, en fait. Oui, je pense que c'est jamais fini. T'as jamais. Un coup que tu as inventé l'avion, il faut que tu inventes la boîte noire. Puis après ça, il faut que tu inventes l'accident d'avion. Puis tu arrives au World Trade Center. C'est l'imaginaire qui, finalement, à force de soigner dans le réel, a fini par shaper des événements marquants de notre siècle. Puis ça peut aller dans les deux sens, ce truc-là. Parce que moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est tellement parlant. Mais tu sais, quand on. Après toute cette histoire que l'humanité s'est donnée à travers le temps, à un moment donné, technologiquement, on s'est dit « Hey, on est capable d'aller sur la Lune avec ce qu'on sait faire maintenant. » Ah ouais? Là, maintenant, il faut y aller. Donc, ils sont allés. Donc, ils ont réalisé cette affaire-là, cette espèce de désir qui était là dans le ciel depuis des lunes, disons. Puis là... Et ils se sont donné les manières, les moyens d'y arriver. Et ça c'est aussi un défaut, parce qu'à un moment donné, ça s'est rendu à la bombe atomique. À un moment donné, ça s'est rendu au sable bitumineux. Ça s'est dit, hey, on pourrait aller chercher, prendre ce sable-là, puis mettre tellement d'eau pure dedans, qu'à un moment donné, il y aurait comme un pétrole qui sortirait de ça, qui, raffiné encore, pourrait peut-être faire avancer nos autos. Puis là, il y en a qui ont dit « on va y aller, mais là, à quel prix? » Puis là, on paye aujourd'hui ce prix-là, de toutes sortes de façons. Mais enfin, mais donc, c'est aussi, ça peut se retourner contre nous, cette affaire-là. Donc, il y a... L'imaginaire peut être dangereux. Oui, quand tu disais, comment déterminer si un imaginaire est, je veux dire, si c'est dans la bonne direction, mais en tout cas, ce qui nous pend au bout du nez en ce moment, c'est qu'il faut non seulement arrêter de détruire le vivant, mais il faut le restaurer. Et je me dis, tant qu'on
À partir du moment où on arrête déjà de le détruire, on change notre rapport à ce monde-là, à ce qu'on exige de lui, et qu'on se dit maintenant, non seulement on va arrêter de lui faire mal, mais en plus on va l'aider à se restaurer, ben c'est comme... On a comme une responsabilité aussi. Là. Et c'est là, je trouve, qu'il y a comme la zone sensible, c'est la... Comment toucher cette responsabilité-là qui engage, qui donne envie de... Puis il y a un écueil aussi avec ça, parce que en tant que créateur, de vouloir se cantonner absolument dans cette logique-là de « on a la responsabilité de devoir régler ça », ben on se met le hier, en fait, on crée le blind spot où se trouve peut-être la vraie solution, à laquelle on peut juste arriver en dérivant, tu sais. Puis je pense que c'est peut-être la grosse tragédie, c'est que on prend collectivement tellement peu de temps à dériver. Faut réapprendre à rien crisser, tu sais. Faut réapprendre à rester là, puis à laisser son esprit séparer un peu pour en arriver à cette chose-là nouvelle. Tu sais. On a essayé ça pendant le confinement, collectivement, je pense. Puis, on a aussi testé nos limites par rapport à ça, tu sais, de quelle manière qu'on pouvait être éprouvé. Même les écrivains, beaucoup d'écrivains ont dit « moi, j'ai pas pu écrire ». J'ai entendu ça beaucoup, là. Ça a été collectif, mais c'était comme une façon… Comme si la réalité dépassait la fiction. Oui, non, mais je pense que c'était vraiment… parce qu'il faut recevoir quelque chose pour justement, tu sais, comme c'est peut-être le choc, là, l'événement traumatique dont je parlais tout à l'heure. Et après ça, il faut justement le mettre à distance avec, tu sais, ça, ça prend un certain temps peut-être là, aussi. Mais en fait, j'ai l'impression dans les cas qui nous inquiètent ou qui nous troublent, qui nous fascinent, l'imagination devient débridée, puis elle devient aussi une sorte d'instance souveraine là, qui ne compte plus que pour elle-même, comme, je veux dire, inventer n'importe quoi pour faire un peu plus d'argent, ou, puis c'est là où l'imagination, en tout cas en ce qui concerne des enjeux sociopolitiques, là, quand on n'est pas simplement dans un exercice pour lui-même, dans un cadre convenu socialement, où là, tout d'un coup, entre ces quatre murs-là, on dit qu'on imagine tout ce qu'on veut. Là, c'est quand on pense plus largement l'imagination, l'imaginaire, l'instance d'imaginer. On ne peut pas ne pas la considérer comme relevant aussi d'une activité générale de la pensée. Je suis désolé, c'est ma déformation professionnelle, je cite des noms, mais il y a un auteur pour qui l'imaginaire est extrêmement central, et même... Je suis certain que c'est Rulnik qui a dû passer par là. Quoi. C'est Spinoza qui veut dire qu'on peut se rendre malheureux par la façon dont on imagine quelque chose qui provoque une peine, selon qu'on voit en cette chose-là la cause ou non de la peine. Si on cesse d'y voir la cause, à ce moment-là, la peine diminue. Bon, il peut même y avoir un rapport d'absolution quoi, à la chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est ce qui ressort de tout ça, sans faire nécessairement d'herméneutique, là, c'est l'idée que imaginer tout seul, ce que font beaucoup les pouvoirs publics et les grandes entreprises ces années-ci, sans qu'il y ait une instance de la raison qui est sous pèse, qui est imaginée, réfléchissent aux fins et aux freins, qui endiguent. Si cette instance-là est complètement étourdie ou faible, ou vue comme folklorique, hein, je pense à quelque chose qu'on pourrait appeler la morale, par exemple, ou l'éthique au sens fort, qui est vue comme quelque chose de vraiment secondaire quand vient le temps de faire de l'argent, là, on a un problème, quoi. Et c'est là qu'imaginer, c'est aussi imaginer des instances capable de freiner l'imaginaire. Imaginer l'imaginaire dans ce qu'elle a d'inimaginable, au sens de terrible, quoi. Oui, donc, oui, et être capable de penser l'imaginaire pas dans une ivresse, quoi. Il faudrait tellement de temps pour débrouiller tout ça, mais... Ça prendrait beaucoup d'imagination pour imaginer les horreurs qui se sont créées et qu'on n'avait jamais vu venir, tu sais.
C'est comme... Mais c'est ce qu'on imagine comme objet de satisfaction, comme beaucoup d'argent, comme la grosse voiture de tout à l'heure, comme ce qui peut... C'est peut-être le fait d'une imagination qui n'est pas assez... développée. Mais non, qui est peut-être trop développée, qui n'est pas assez contenue, qui n'est pas assez, en fait, qui s'est en quelque sorte trop emballée et qui n'a pas eu d'interaction avec une instance. On est plusieurs dans un cerveau. Ou qui manque de silence. Qui manque de résonance, quoi, pour plus s'entendre, quoi, s'entendre et se voir. Et bon, on n'est pas loin de la problématique de Cyrulnik, de se voir, quoi, de sortir de soi. Quoi, mais... Juste pour conclure, le temps file, j'aimerais vous poser une question qui pourrait probablement engendrer des réponses qui dureraient longtemps, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'on peut arriver à trouver une réponse assez... comment je dirais, qui contient toutes vos réponses. Si vous pouviez imaginer le monde qu'on habite, plutôt qu'habiter un monde imaginé, mais si vous pouviez imaginer le monde qu'on habite, il ressemblerait à quoi? Je sais, c'est une grosse question pour terminer, mais tu sais, comme, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Quelque chose d'important pour vous qui devrait y avoir dans ce monde-là? Ça ressemblerait à quoi? À brûle pour point, là, je voudrais faire le pont avec tantôt Emma, parler de cette période-là où personne ne pouvait écrire. Moi, pendant à peu près 3 semaines, tous mes projets d'écriture normaux étaient morts, mais j'ai jamais autant vu la richesse de la nature qui m'entourait. Je sortais en raquette et toute mon écriture, tout ce que j'ai écrit pendant ce temps-là, qui ne fit avec absolument rien de ce que j'écris, vient d'une certaine contemplation de cette nature-là et de la simplicité qui y résidait. Là, ça a pris 2 mois, puis c'est de retour dans des tiroirs, mais il y a peut-être une piste de solution là-dedans quand même. Non, mais ça me ramène un peu à ton propos sur, d'écrire sur la lumière aussi, tu sais, de... Vous avez... c'est comme une bombe à lancer en fin de... Puis sentez-vous pas obligé d'y répondre. Hein? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas répondre en peu de mots. Non, je disais tout à l'heure, ça dépend de quoi on parle, là, déjà, de sur quel registre on se situe. Mais il est entendu que... imaginer peut procéder aussi de la soustraction. Ça va dans le sens de voir la nature parce que tout s'estompe à côté. Là. C'est que tout d'un coup, ce qu'il faut considérer à ce chapitre-là, c'est tout ce qui encombre l'imaginaire. Mm-hmm. Toutes les prothèses, tous les écrans qui font écran. À l'imaginaire. Tout ce bruit. Tous ces parasites. Oui. Bon, dire ce que les conditions de possibilité d'une imagination vive suppose qu'on fasse l'économie de beaucoup de prothèses qui nous encombrent d'abord et avant tout. Donc, ce sera un monde beaucoup plus épuré. Emma, tu veux ajouter ou? J'avoue que je ne sais pas comment répondre à ça tout de suite m'en satisfaire totalement. Là, ça reste en tout cas un engagement, en tout cas pour ma part, à continuer cette recherche-là. Mais je dirais, si déjà on peut... Se permettre de s'observer dans dans nos malaises. Dans nos malaises. Ouais, parce qu'on n'est pas, c'est ça qui va nous éclairer plus. Ça devient comme une source pour savoir quoi faire pour éliminer ces malaises-là, puis trouver... Nos freins, nos malaises, nos faiblesses, qui sont comme des... d'être capable, justement, de les... Mettre à distance. Ça sera déjà une première étape pour avoir un constat, puis faire ce ménage qui s'impose. C'est tellement infini. Je sais, c'était peut-être injuste là, de lancer cette question-là comme ça à la fin, mais
On a quand même entendu des choses très intéressantes, pas juste sur cette question-là, mais sur toutes les questions que vous avez discutées ensemble. Je vous remercie infiniment. C'était vraiment très riche comme lancement d'une première activité du salon. Puis j'aimerais, en guise de conclusion, peut-être lire un petit extrait de prose de l'auteur Mathieu Riboulet, qui nous invite à continuer à imaginer puis à rêver. Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d'allants et de simples projets. Nous sommes vivants. Nous campons sur les rives et parlons aux fantômes. Et quelque chose dans l'air, les histoires qu'on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Nous habitons des mondes imaginés. Merci. Merci. Merci au Salon du Livre. Merci à vous trois. Puis on va sûrement avoir l'occasion de vous entendre à nouveau pour notre plus grand bonheur.